Yo les gars, on se retrouve pour une session ponçage. Aujourd'hui j'ai choisi Gronk Gem, une machine que je n'ai jamais jouée. On a pas mal de choses à tester. On a des spins quintuple chance, vous savez que je les aime. On a du bonus classico et du super bonus. On est parti. Alors, on va commencer par déjà mettre une petite mise à 10, un peu de son. Ah, je suis chaud de faire plutôt comme ça. Voilà, se faire un premier bonus puisqu'on va le dérober forcément. 25 spins, bonne chance. Avant ça, je rappelle les gars, 25€ tous les jours sur le Discord, plus 2500€ à gagner au mois d'avril. Comment y participer? Lien dans la description, vous l'avez juste ici. Une fois cliqué dessus, vous arrivez là. Tableau de Hunt, Blackjack, les deux sont disponibles gratuitement, le Discord est là. Une fois sur le Discord, vous cliquez sur le channel 25€, puis l'emoji fait, vous êtes dedans. Tirage tous les jours à 18h en public, paiement tous les dimanches les gars. Pour le 2500€, c'est juste en dessous. 25 spin à 15. Tranquillement, c'est une petite mise en bouche. Je suppose que c'était le skater, le Gronk. La machine est vraiment belle, comment ça se fait que je suis passé à côté depuis si longtemps? C'est sûr mon provider préféré, Axo. Et en plus de ça, elle est belle. Ouais, j'aime bien, moi, pour moi c'est un peu important. Je suis d'accord que oui, blablabla, la beauté, blablabla, ça fait pas tout. Mais sur les slots, franchement, des machines moches, je suis désolé, mais une machine qui n'est pas belle, ça me donne pas envie de la jouer. J'ai jamais dit que j'étais intelligent de toute façon. Je peux très bien dire que oui, je suis bête et je suis attiré par le visuel. Et oui, j'ai les yeux en face des trous, je peux l'assumer. Donc 3 skaters, bonus qui coûte x110 la mise. 4 skaters, je suppose, bonus qui coûte x200. Je ne me suis absolument pas spoil de comment la machine fonctionne. Moi j'aime bien pas regarder avant, j'aime bien. J'aime bien la découvrir en la jouant, ça me fait un vent de fraîcheur, je joue beaucoup au slot. Donc tout lire à chaque fois avant, moi ça me retire mon petit côté surprise. En attendant de choper ce premier bonus, moi j'y crois encore de spin. Bon, pas très bien, je vais l'acheter. Eh bien j'espère que les gars vous allez bien, que vous allez vraiment bien. Moi j'ai passé une très bonne journée, tout se passe bien là. Je sais que je le dis souvent, mais c'est vrai aussi, mais tout se passe bien, je vais pas mentir, je vais pas dire... Pas faire le Calimero, non les gars, s'il vous plaît, ça se passe mal. Mettez des pouces bleus parce que je suis triste. Non, je vais bien. Après, des pouces bleus, c'est toujours bien, tu vois, bien sûr. Plus de chances d'obtenir des gemmes épiques qui absorbent tous les symboles chargés pour générer d'énormes gains. Regardez comment il nous bait, générer d'énormes gains. Avec un diamant et un pourcentage croissance. Ok, voyons voir. Je l'ai acheté un peu cher pour un bonus découverte, honnêtement, 770, j'aurais dû l'acheter 550. Réponse sous nos yeux. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu comme Fear the Dark. Non, pas du tout. Donc on a une connexion, on a une moitié de trucs, ouais. Et ça en haut, ça se complète ou pas? Là, ça s'est complété? Ah, attendez, on a une machine où il faut un bac plus 12? Ah non, c'est complété, c'est juste que le symbole, il est couleur un peu caca de base, ok. Enfin, il y a la moitié de la géode. C'est de la terre, quoi. Je pensais qu'on avait qu'une moitié, mais non. J'ai l'impression qu'on a un bon setup. J'ai l'impression. C'est que ça fait quoi, ça? Oh, pardon? Quoi? Quoi? Voilà, j'ai jamais regretté de l'avoir acheté à 770 pour un bonus d'échauffement. Vous avez mal entendu, les gars. Bah oui, mais si vous vous abonnez pas et qu'en plus vous n'avez pas vos oreilles, bah oui, bah on s'en sort pas. On s'en sort pas. Est-ce qu'on peut garder ce setup? Oh non, ça s'arrête. Dommage, chaque spin est indépendant des uns des autres. Ok, je vois le délire. Est-ce que j'ai compris comment on a pris 1000 balles? Absolument pas. Mais c'est le cadet de mes soucis. Ok, donc là on refait un setup. Et donc ça concrètement... 300... Mais on n'a aucun indicateur, on n'a même pas un... On voit pas de multiplicateur, quoi que ce soit, c'est... Je suis pas en turbo. Non, je suis pas en turbo, donc ça ne cache rien. Tout ce que je sais, c'est que les diamants, ça fait de l'argent. Plus on a de symboles qui est tout en haut sur le board, plus ça les transforme, les gemmes collectent ça, on a compris. Mais on ne comprend pas que le multiplicateur, est-ce que si on a 20 symboles, c'est un x20? On ne sait pas, mais on prend de l'argent. C'est quoi ce truc de gaulement? Enfin, j'aime trop ça. Oui. Ah, ça a ni queue ni tête. Les gars, ma mère me tuerait si elle voyait mes vidéos, elle me dirait, mais déjà, c'est quoi ces montants? Je vais te frapper, mon enfant, déjà pour commencer. Après, je la respecte. En tous les mois, je lui envoie de l'argent, donc on commence pas à m'agripper le callback. J'essaye d'être respectable. Et on va tester le super bonus. À 1000€. À 1000€. Attends, c'est quoi la différence? 5 tours gratuits rechargeables avec un multiplicateur global progressif. Apparemment, on devrait voir un multiplicateur. Oh, c'est pas le même skater. Ok. Collectionneur de gemmes. Vous avez gagné, relié les gains à l'activateur de multiplicateur X-Gem pour de gros gains. Ok. Donc à droite, nos spins sont matérialisés. Et on est déjà à plus de la moitié du bonus. Très bien. Oh, on respin quand on en a 3? Ou 1, ça donne un spin? Est-ce que toi, tu vas me rendre un spin? Non.
Les gars, je comprends rien là. Mais on récupère des spins, donc c'est bon. C'est bon. On a compris les sacs. On avance. La compréhension du Da Vinci Code. Bon, vous avez un genre Reno un peu différent, mais... Mais j'ai un très bon talent d'acting. Ouais. Je comprends pas, on prend 5 euros, il y a un multi. Est-ce que le multiplicateur s'applique à la fin sur tous nos gains? J'ai l'impression que c'est ça, parce que les pays sont si élevés, si basses, pardon. Est-ce qu'on prend 53 x 20? Quoi? 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 C'est quoi cette merde? Ah, je crois que j'ai compris. Le multiplicateur, tu l'appliques uniquement si ça touche ce X en diamant. Ouais, ouais. Ok, deuxième tentative. Je crois que c'est ça. Bah oui, je suis bête. En plus, je l'ai lu tout à l'heure. Oui, relié avec le X. Ah ouais, là, tu l'appliques quand on est en x5. Par contre, quand on est en x50, là, oh, je ne suis pas disponible. Je suis fatigué. J'ai mal au crâne. Ouais, une étoile, dommage. Ah non, ça prend, ça compte comme un wild. Ok, ça compte comme un wild. Donc on a besoin que de 4 collections à côté du X en diamant. On va l'appeler le Elon Musk. Ouais, x35. Comme d'hab, les connexions minimum en 5, je suppose, payent beaucoup moins que les grosses connexions. Ok, on récupère des spins ici. Comme les gates, au Olympus, etc. 8 symboles, c'est le minimum, mais t'es vraiment payé quand on a 11, 12, 13. Là, donc, c'est 5. Donc, je suppose que si on a des connexions avec 6, 7, 8 symboles, plus le X, c'est comme ça qu'on s'envole. Ok, on a un X. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. C'est du vert. Ok, 300. On rentre bientôt dans le profit. Incessamment sous peu. On est aux portes. Ok, spin. Bon, on peut pas dépasser 5 spins, mais bon. S'il te plaît, Elon Musk, reviens. Reviens parmi nous. Moi, je déteste Twitter. Il n'aime que X. S'il te plaît, reviens, on donne des spins. Ah, oh, tu n'es pas bien placé. Pas de connexion, là. Pas de connexion. On a un putain de multi, là, comparé au premier bonus. Pardon, on a un gros multiplicateur. Il était vulgaire. Dernier spin. Oh, un sac de diamants. Un sac de diamants récupéré. Des spins. Dommage, on s'arrête aux portes du profit. Quel bonus j'ai préféré? Honnêtement, j'ai préféré le bonus de droite. J'aime beaucoup le bonus de droite. Mais, petit instant, chipage. J'ai fait une vidéo, peut-être juste avant celle-ci, où les instants chipage se sont terminés par des instants chipage à 225 euros le spin possible. Et sur l'une des deux chaînes, Bidule ou Willwin, je ne spoilerai pas plus. Donc, 3 skaters, la tête de Gronk. Ça nous donne le bonus classique. Celui qu'on a vu avec les diamants comme ça, où on comprenait rien, mais concrètement, on gagnait. Ça nous va. Et l'autre, c'est les sacs de gemmes. Ok. Comment on pète en base game? Est-ce qu'il y a un bon base game, en fait? Bah oui, on a vu un diamant. On a vu un diamant, donc oui, tu peux péter en base game. Parce qu'en fait, là, c'est des morceaux du bonus de gauche. Simplement, le bonus de gauche augmente tes probas de toucher, quoi, concrètement. Un classique. Ils ont investi du budget sur le son du Gronk qu'on ne touche pas. Écoutez bien le prochain Gronk. C'est pas grand chose ça, ouais. C'est x0,5 la mise, bon. Ah même pas, on a remis à 30. 10%. Ok, montante. 10 spins à 45. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie montante, où je fais une vidéo 100% montante. Elle vous plaisait ou pas, les gars? Dites pas oui pour me faire plaisir. Le but, c'est d'avoir vos avis. Alors, bien sûr, si vous me dites, ouais, moi j'adorais les All-in Challenge. Non, les gars, les All-in Challenge, peut-être un jour j'en referai un ou deux à droite à gauche, mais de manière régulière comme au début. Non. Je perdais trop d'argent à faire triple All-in. Trop d'argent perdu avec ça, donc non. Mais avoir vos avis sur est-ce que vous préférez les montantes, les changements de machine, donc les sessions papillonnage, uniquement les bonus hunt, ça m'intéresse. On continue. On va passer en turbo. Ouais, petit sac de gemmes. Ah, mais on n'a pas collecté toutes les gemmes. Ouais, c'est de la merde.
Est-ce que je suis en train de regretter? Non, non, je sais qu'on joue plus agressivement pour exploser notre start qui était à 5K. William, on ne commence pas à regretter. On fait notre montante tranquillement. J'ai envie de faire un truc, les gars. Vous savez ce qu'on va faire? On va retirer la feature pour les bonus. Et on va spin à 50. On va jouer un peu le base game. Si on a une grosse connexion en base game, rien qu'un fois 100, c'est un 5000, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois ce que je veux dire. Oh, je me fais allumer, là. Oh, je me suis fait allumer. C'était pas la bonne mise. Oh, 10 à 75, c'est cher, Will. Admettons. Position de l'ange. Maintenant, nous espérons. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un sac de gemmes à chaque fois? Bon, c'est pas énorme du tout, c'est que x3 la mise, x4, en tout 300€. Mais est-ce que quand ça s'active, on est obligé d'avoir un sac de gemmes? J'ai l'impression. J'ai l'impression, parce qu'on a vraiment peu de connexion, mais du coup, à chaque fois que t'as une connexion, si t'as un sac de gemmes pour te backup, c'est ok. Bon, les gars, je suis dedans. Dans le pire des cas, j'achèterai un bonus avant de tomber sous 4 chiffres. En attendant, laissez-moi être gourmand. Laissez-moi essayer d'attraper le callback à ces bonus et à ce base game. Parce qu'on n'en parle pas, mais un bonus à cette mise, vous savez ce que c'est. S'il te plaît, illustre mes propos. Sac de gemmes? Ah non, on peut se faire baiser. Ah ouais. Bon. Il est content, je perds de l'argent sur ta machine. Tu es content, toi? Avec tes abdos? Bah, arrêtez de me faire croire que les trolls ont des abdos aussi, là, on est où? Je veux dire que les trolls, là, ils travaillent leur grand droit, ils font du gainage tous les jours. Putain, et en plus, je suis descendu sous 4 chiffres. Bon, on va recommencer par le bonus qui nous a payé au début. Le bonus qui nous paye sans que nous comprenions. Plus de chances de devenir des gemmes épiques qui absorbent toutes les symboles chargés pour générer d'énormes gains. Oui, ok. Est-ce que tu vas nous dire combien on prend à chaque fois avant? Non. Mais ça me va, du mystère. Donc tout ce qu'on veut, c'est une ribambelle de connexion plus sac de gemmes dans le même spin. Ça, c'est la petite, voilà, c'est la petite spécificité qui baise. C'est qu'il faut que tous les astres s'alignent sur le même spin. Oh là là, je me fais allumer là? Et je me fais punir par ma gourmandise? Gronk? Gronk, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Mais j'ai même pas eu un sac de gemmes en plus! Même pas eu un seul sac de gemmes! Même pas un petit! Un seul petit! On est à 89€! Bah écoutez. J'ai pas retrait 90, hein. On est parti pour être dedans là. Il y a un petit coup de chaud bizarrement. Bizarre. Oh putain, je me fais allumer. Vous l'avez entendu, la ricaner de nous? T'es fier de toi, Gronk? Ah, purée. Ah, purée. Bon. Comeback? Ouais, comeback à 20 centimes, bon. Comeback à 10 centimes? Un jour, je l'aurai, la vidéo. Comeback à 10 centimes, les gars. Bon, moi, je vais m'arrêter ici, les gars. J'ai pas envie de redépôt, montrer le mauvais exemple qui plus est. Et surtout, j'ai pas envie de redépôt, en vrai, là. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo. 25€ tous les jours sur le Discord, plus 2500€ au mois d'avril. Prenez soin de vous, les gars. Gros bisous, et à demain.